Mardi 18 septembre 2018. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Téléjournal là, sous télévision nationale d'Haïti. Mais quelques noms points qui pourraient développer la donne pour Assoya. Plusieurs ministres et secrétaires d'État dans le nouveau gouvernement entrés en fonction jeudi. Parmi eux, ministre Kilti à communication, ministre affaires étrangères, ministre planification à coopération externe, ministre commerce, ministre tourisme et secrétaire d'État communication. Travail caravane changement pour poursuivre dans le département Grand Danse. Plusieurs rues déjà asphaltées ou soit bétonnées pendant qu'un travail canalisation cap continue. Conseil électoral provisoire déjà soumettre by exécutif l'an budget élection 2019 yo. Directeur exécutif KEP1 Uder Antoine qui t'a participé dans mise au point mardi 18 septembre l'an parlé sous version préliminaire document électoral là. Groupe Croissance présenté jeudi a exposé sous budget rectificatif 2017-2018 là jeudi mardi 18 septembre 2018 là. Et puis une actualité à l'étranger, l'armée syrienne l'a écrasé un avion russe qui te gagne 15 militaires là-dedans. Incident s'il arrivait dans le moment l'armée défense syrienne l'a tapé tiré pour être capable d'intercepter missiles israéliens qui te visé plusieurs dépôts munitions. Les amis téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés ces titres là à compiler l'autre information qui pourra le faire essentiel journal là pour Assoya. Yo faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branche téléjournal là pour Assoya. Dans la présentation, c'est Linela qui est avec nous. Tout de suite, on a démarré avec information yo et c'est une page météorologique là, nous parler ensemble avec collaborateur nous Wilner Polidor qui pourra le porter pour nous toute information concernant temps. Merci tout le monde pour fidélité avec attention. Avec comment condition météorologique là sous région, faut que nous dit tout le monde, faut que vous posiez parce que pas gain ken cyclone dans sous pays d'Haïti et situation qui gain c'est par rapport avec zone de haute pression qui sous Atlantique là cap provoquer quelques activités là mais pas gain cyclone sous pays d'Haïti gens que ça a circulé sous réseaux sociaux yo. Et on a voir comment situation sous pays d'Haïti pour aujourd'hui. Nous gain chrono qui en face de l'île d'Haïti qui trouve au sud de Cuba et nous avons toujours un coup qui au nord pays d'Haïti. J'en vois sous image satellite dans la région département de Grand-Anse sud gagné quelques activités convectives mais au cours de soirée et par rapport avec masse humidité à cap décalé vers l'ouest, nous allons gagner un temps qui est plus ou moins stable sous pays d'Haïti même si masse d'air arrêté plus ou moins humide. N'a pas gagné encore jeudi à quelques activités là, mais c'est activité à cap faible à modérer, surtout sous région sud pays d'Haïti, département de l'Ouest, en après-midi et en début de soirée. Mais au cours de nuit là, c'est région nord pays d'Haïti qui a gagné quelques activités là, mais c'est vraiment activité à faible à modérer qui est même isolé avec quelques coups de l'orage. Cela veut dire pas gagner trop soucis pour pays d'Haïti pour aujourd'hui, sauf que activité la pluie toujours qu'elle même si c'est quelques activités la pluie qui faible à modérer sous département que nous saute cité là yo. Mais à partir de demain, on a commencé à gagner un temps qui est très clément avec bel soleil en journée et quelques averses en soirée, mais c'est vraiment très isolé avec faible à partir de demain parce que Mazéala l'a plus ou moins humide et à plus ou moins stable sous le pays d'Haïti. Et pour jeudi, il y a une nouvelle onde tropicale qui a brûlé sous le pays. Et onde tropicale, ça a provoqué quelques averses modérées sous le pays d'Haïti. Et Jean-Noël, majorité des départements a concerné par activité la pluie jeudi, mais c'est par rapport avec une nouvelle onde tropicale qui a traversé le pays d'Haïti jeudi soir. Pour capitale avec zone qui a brûlé sous son capitale qui toujours avec un temps qui nuageux et nous prévoit quelques activités d'appli pour après-midi et même en soirée. Mais à partir de demain, nous avons un temps qui est très clément sous Port-au-Prince avec zone qui environne l'eau. Mais pour jeudi, si elle a nuageux en journée avec possibilité pour quelques averses isolées qui sont capables de faire
sous capitale avec zone qui environne l'eau. Nous avons température aujourd'hui à Capné jusqu'à 33 degrés Celsius. Ça fait un peu chaud sous capitale avec zone qui environne l'eau. Et puis, la descente, c'est 22 degrés pour jeudi. La mer très belle et même peu agitée sous plusieurs côtes. Cela veut dire que côte nord pays d'Haïti avec golfe de la Gonave, capitaine n'y a pas trop de soucis pour naviguer parce que la mer est belle à peu agitée, mais c'est sous côte sud d'Agen Ouel. On voit qu'il souffle jusqu'à 20 nœuds et avec hauteur vague qui a 6 pieds sous côte sud d'Allemagne des capitaines. N'y a précaution parce que la mer n'y a pas agité sous côte sud pays d'Haïti. Et pour page astronomique, là, soit la couche aujourd'hui à 6h48 et la levée de matin à 6h38. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Sans perdre du temps, on a rentré dans l'actualité pour nous faire connaître le ministre culture et communication, Jean-Michel Lapin, investi dans la fonction le mardi 18 septembre 2018. Cérémonie, installation déroulée en présence de familles, amis, anciens ministres, directeurs généraux et puis divers cadres dans l'institution. Louis-Nel Jean-Louis et Bernard Marseille, Abdino Plus, dans un compte rendu. Cérémonie installation ça, c'est l'occasion pour le ministre Kilti Sotan, Joseph Guilherme Delva, remercier le président de la République, la Jovenel Moïse, qui a fait choix de lui pour venir servir le pays. Il a profité de l'occasion ça à tout pour faire éloge nouveau ministre qui remplace là, Jean-Michel Lapin, d'après lui qui c'est une compétence et puis qui connaît bien l'administration publique là. L'arrêté élevant plutôt Jean-Michel Lapin au rang de ministre de la Culture et de la Communication n'est nullement un cadeau. Jean-Michel Lapin le mérite bien. Il a travaillé pendant de longues années dans la fonction publique pour le mériter. En pareille circonstance, vous conviendrez avec moi qu'il serait de bon temps, qu'il est d'usage de souhaiter succès à quelqu'un qui s'apprête à assumer des responsabilités d'une telle envergure. Mais je me passerai de souhaiter succès à mon successeur, puisqu'il n'en a pas besoin, parce que avec lui, le succès est déjà garanti. Ministre intérieur, collectivité territoriale, Jean-Marie Rinaldo Brunet, qui a possédé à l'installation, salué par le nouveau ministre dans la fonction publique, là, pendant le rappeler, titulaire ministère qu'il tient, Godefi Captain Lee, dans le poste là. Le ministre Lapin a bien compris les responsabilités et les enjeux qui sous-tendent en acceptant de diriger cette fois au niveau le plus élevé cette institution aussi importante de la République. Point n'est besoin de vous rappeler les défis auxquels vous aurez tout à l'heure à faire face parce que vous êtes un vieux de la vieille. Vous avez sûrement vécu tous les soubresauts, mais également des moments de la gloire de ce ministère. Monsieur le ministre, les chantiers de la culture et de la communication sont divers et nombreux. Les politiques publiques que vous avez à mettre en œuvre comme directeur général vont être de plus en plus améliorées, peaufinées. Nouveau ministre Kilti à communication, Jean-Michel Lapin, a annoncé diverses mesures et projets qui doivent être réalisés pendant le mandat Latankou, restauration site, restauration fort et puis bon encadrement pour Atisio. Le ministre a déclaré tout, éducation culturelle, tant que danse, musique, art plastique et puis théâtre doivent venir en réalité à travers l'école. Dans ce sens, il a demandé tout cadre dans le ministère à mettre ensemble avec lui pour permettre au secteur de contribuer plus dans le développement économique du pays. La création de la cité de la jeunesse de la Croix des Bouquets, visant à offrir un espace d'accueil à nos jeunes artistes, plasticiens ou musiciens. La mise en valeur de nos ressources patrimoniales, aussi bien matérielles qu'immatérielles, vise à consolider une industrie culturelle qui deviendra la marque distinctive d'Haïti dans la région. La restauration des sites, des forts, dans une démarche de reconquête environnementale, en vue de valoriser le dynamisme des jeunes de chacune de nos communes concernées et de développer de véritables partenariats
avec les établissements scolaires et les municipalités. Mettons-nous à l'œuvre pour réaménager les équipements culturels du pays et pour en construire d'autres. Cinquièmement, l'éducation culturelle à l'école doit devenir désormais une réalité. Il faut qu'enfin, nous inculquons aux enfants le goût de l'art en leur donnant accès aux pratiques artistiques, la danse, la musique, le théâtre et les arts plastiques. M'a rappelé, Jean-Michel Lapin a environ 30 années depuis qu'il travaille dans l'administration publique. Là. Il était commencé dans le ministère de la Santé publique, après il vient transformé dans le ministère de la Culture. 29 janvier 2015, suite à un arrêté présidentiel, Jean-Michel Lapin nommé directeur général ministère. Je n'ai aujourd'hui l'arrivé ministre qu'il dit à communication. Ministre éducation nationale et formation professionnelle, Pierre Josué Agenor Cadet, installé mardi 18 septembre en tour, nouveau ministre affaires étrangères à Cultlan, Edmond Bochit. Cérémonie en déroulée en présence cadre et employé ministère Silla. Compte rendu Falon Delphin avec Wilson Idoré. Cérémonie ça réunit ancien et nouveau ministre affaires étrangères cadre. Employé ministère Affaires étrangères et direction générale Kilt, famille et proche nouveau ministre Bochit Edmond. C'est occasion pour ancien ministre Antonio Rodrigue présenter divers travaux qui ont été réalisés pendant le passage li dans cette institution. Il profite et remercier tout le monde qui a accompagné pendant le mandat là pour aider à respecter l'engagement de cette ministère. Durant mon mandat, j'ai essayé de faire de mon mieux pour remettre un peu d'ordre dans la diplomatie. Surtout dans le cadre de la réforme que le président Moïse voulait pour notre diplomatie, de manière à ce qu'elle devienne plus efficace et plus professionnelle. Donc, j'ai accompli cette mission, comme j'ai dit, avec tout l'engagement. Je n'ai pas été parfait, je dois le reconnaître, mais je peux vous assurer que j'ai fait de mon mieux, malgré les difficultés, malgré les mauvaises habitudes qui existaient et les blocages que j'ai pu rencontrer sur mon parcours. Nouveau ministre Affaires étrangères, Bochit Edmond Soubopal, promet le travail pour renforcer l'institution démocratique à travers défense et puis protection de dignité des haïtiens. Ministre Edmond Bochit promet le travail tout pour utiliser toutes compétences et ressources ministère Affaires étrangères pour permettre cet acte président de la République à respecter. Je suis conscient que les problèmes de conditionnalité liés au succès ou à l'atteinte des objectifs du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, tels que souligné plus haut, quant aux exigences d'efficacité et d'efficience qui s'imposent et auxquelles je fais appel. Face à ces exigences, je pense spécialement au cadre extérieur, dont je salue le courage aujourd'hui. Qui sont pour moi des soldats, travaillant de manière acharnée dans la promotion du pays à la dernière ligne de défense des intérêts d'Haïti et de ses ressortissants dans des conditions très difficiles, pour aider le ministère des Affaires étrangères à répondre à sa mission d'organiser la diplomatie du pays. Je ne suis pas indifférent. Je salue ce travail. D'ailleurs, je n'ai pas été distant, bien que lointain dans le froid londonien. J'ai toujours été touché par la marque de vos dévouements. Ministère Affaires étrangères a un gros rôle pour jouer dans le relèvement pays, puisque diplomatie, c'est un moyen qui est important pour serrer les relations entre partenaires Haïti et renforcement de la coopération multiple et bilatérale. N'a toujours été sous même lancé ça pour nous faire connaître un nouveau ministre touriste là. Marie-Christine Stephenson prend fonction journée mardi 18 septembre en tout. Il y a une cérémonie qui était déroulée dans le local ministère sous Chan Mas dans l'occasion ça. Isaïe Aurelius avec Moïse Wilbrich pour détail. C'est ministre Santé publique et population, hein? Marie-Greta Wa-Clément, qui te mène la cérémonie installation ça. Marie-Christine Stephenson remplace Jessie Emily Colomb-Benos, qui passait 17 mois, à diriger ministère ça. Dans l'occasion, hein? Ministre sortant en qualité service secteur avec un pile efficacité, pendant le fait qu'on est, rete un pile travail qui pour faire pour mettre secteur touristique la souraille. Je dis,
Si nous voulons compétitif, nous voulons attirer le monde la caille, c'est peut-être nous pour nous occuper avant. C'est nous qui pouvons gagner l'autre pour nous sortir du pays à l'installer. Gardez en haut, gardez en bas, gardez à droite, gardez à gauche. L'obliger nous, lever la tête nous. Travail pour permettre aux touristes là contribuer dans le développement pays ya, et puis rendre opérateurs touristiques vivre des secteurs. C'est mission ministère, d'après nouvelle ministre touriste là, Marie-Christine Stephenson. Madame Stephenson, qui dit le conscient quand il travaille Captain Lee, mande collaboration tout le monde. À compter de ce jour, ensemble, nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du tourisme de notre pays. Nous allons faire reculer l'horizon des possibles, la pauvreté, pour les acteurs de cette industrie qui pourraient significativement contribuer à l'augmentation de notre produit intérieur brut. Nous nous attelons d'ores et déjà à dynamiser le secteur en vue d'optimiser les résultats. Nous travaillerons à la régulation du secteur. Nous mettrons tout en œuvre pour susciter une vraie synergie entre le secteur public et le secteur privé au bénéfice de l'industrie touristique. Cérémonie installation ministre touriste là déroulée en présence par un ami opérateur touristique à quatre ministères. Un nouveau dirigeant avec même mission qui s'est fait appliquer politique touristique administration Moïse à gouvernement séant. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, Fritz Caillot, installé Dr. Ronel Gilles comme nouveau ministre Commerce et Industrie mardi 18 septembre. Cérémonie installation réalisée dans le local ministère, dans la rue Légitime, toujours sous champ de masse. On suit Kijan Satéye avec John Herbie, Casséus et puis Fresnel Toussaint. J'ai l'honneur, sur le mandat du Premier ministre, de procéder ce matin à la prise de fonction du nouveau titulaire du ministère du Commerce de l'Industrie, M. Ronel Gilles. C'est en présence de diverses personnalités, parmi eux employés à quatre ministères, ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Fritz Caillot, investi Dr. Ronel Gilles dans le poste comme ministre du Commerce et Industrie. Dr. Ronel Gilles remplacé Dr. Pierre-Marie Dumeny, qui s'est passé environ 18 mois dans tête ministère. Nouveau responsable ministère Commerce et Industrie promet de collaborer avec tout employé et puis quatre institutions en une façon pour l'hypothé résultat dans le travail la bien pour réaliser dans le ministère. Certifié en gestion publique, je mettrai mes connaissances des hommes et des choses au service du bien commun. Choisi pour être à la tête de ce ministère, j'amène donc avec moi toute la sensibilité nécessaire à la prise de décisions éclairées et patriotique. Je suis ici pour résoudre avec vous les problèmes qui accablent l'institution et avec vous les différents moyens de les résoudre. En tant que citoyen soucieux, je sais combien il est important pour tout employé pour pouvoir produire de se trouver dans un environnement agréable. Nous tenterons, autant que faire se peut, dans la concertation, de prendre toutes les mesures susceptibles de contribuer au bien-être des employés et d'améliorer leur performance. D'autant que je suis heureux d'entendre qu'ils sont nombreux de toute génération, mais avec une compétence indiscutable. Je m'en réjouis. Docteur Ronel Gilles, c'est un habitué dans le secteur. Il était occupé poste ministre Affaires sociales et Travail. Et puis, ministre Santé publique et Population, Marie-Greta Roy-Clément, installé mardi 18 septembre. Nouveau ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, non, Evelyne Saint-Ville, non, fonction ça. Stéphanie Charles et Dieudonne Lidier a présenté nous un reportage. C'est en présence plusieurs cadres et employés institution ça, cérémonie en déroulée. Dans l'occasion, ministre Santé publique et Population, salué travail ministre sortant, Unis d'Innocents, réalisé par le passage li dans tête institution, et puis souhaité le succès dans l'autre mission la gain pour remplir en dans pays. Responsable MSPPA, souhaité nouveau ministre là, Evelyne Saint-Ville, bonne chance, li mandé employé collaborer avec elle pour avancement ministère.
Madame Evelyne Séville, que j'ai l'insigne honneur d'installer aujourd'hui comme ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, est bien connue. Dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, Son Excellence Monsieur Jean-Henri Séan, son mandat est clairement défini avec des domaines d'intervention précis qu'elle se devra d'appliquer. Ancien ministre là, Eunide Innocent, dans le discours qu'il fait, rappelez nouveau ministre là, ministère condition femme et droit femme, c'est ces bol femme haïtienne qui croient dans l'émancipation femme yo. Li promet li toute collaboration dans quatre missions l'a gagné pour le remplir. Ministre tout neuf là, Evelyne Saint-Ville, félicité ancien ministre là pour travail y accompli pendant temps li passé dans institution ça. Ministre là sollicité collaboration tout employé yo pour ka continuer bay bon résultat dans ministère. Quant au cadre et petit personnel du ministère, nous disons, n'a gen attention spécialement. Tout le monde qui vient réfléchir connaît job ministre, c'est job serviteur. Moi c'est serviteur. Oui. Moi pas travailler au service si m'a joindre collaboration. Moi veux dire nous à concours nous, moi va appliquer tout gros principe qui fait force administration publique là tant qu'on dans tout gros pays sous la terre. Je déclare avec conviction devant vous toutes et vous tous qui êtes ici présentes et présentes, particulièrement les membres de la presse, que le président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, et le président et le premier ministre, Monsieur Jean-Henri Séan, n'ont pas à regretter le choix qu'ils ont fait de moi. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, créé par un décret 8 novembre 1994. C'est organe central qui chargé pour définir, concevoir et faire appliquer politique dans le domaine conditions et droits femmes en Haïti. Toujours sous même lancé ça, ministre agriculture, ressources naturelles et développement durable, Jobert, c'est en grand, installé journée mardi 18 l'an, joute Joseph comme nouveau ministre environnement. Cérémonie ça a déroulé dans le local ministère, dans Sonapi. Ortelou Marie Dieudonne a présenté nous un reportage. C'est en présence ancien ministre environnement Pierre Simon Georges, plusieurs parlementaires à quatre employés ministères, ministre agriculture et ressources naturelles yo et développement durable, Jobert C. Engrin, installé citoyen Jout Joseph comme nouveau ministre environnement. Dans l'occasion, ancien ministre environnement Pierre Simon Georges remercie employé yo pour support au Bali pendant 18 mois li passé à diriger institution ça. Li profiter pour demander remplaçant l'an continuer à ensemble projet li commencé yo dans l'idée pour politique gouvernement ça qui gen awe ak environnement ka respecté. J'ai l'insigne honneur, le grand plaisir de dire merci. Et on nous voit qui part du cœur à tous les employés, à tous les cadres du ministère de l'Environnement. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez permis, grâce à votre collaboration, d'écrire mon nom en lettres d'or dans la mémoire de ce ministère. Je ne veux pas dicter à ministre Jout ce qu'il aura à faire au ministère. Mais en ma qualité de ministre sortant, je me vois obligé de lui dire où nous sommes, surtout dans certains projets que nous avons commencés. Nouveau ministre là, Jout Joseph, remercier chef l'État Jovenel Moïse et chef gouvernement Jean-Henri Séan pour confiance sur place dans l'île et au choisi pour occuper fonction ça. Pour arriver exécuter feuille de route gouvernement lien, il sollicite collaboration tout employé ministère. Mesdames, Messieurs, ma nomination à cette haute fonction
intervient dans un contexte particulièrement difficile où le pays se trouve confronté à des problèmes les plus cuisants en matière de gestion de l'environnement. À ce titre, du moins à titre d'illustration, nous n'avons qu'à regarder la situation de nos ressources hydriques, nos bassins versants, l'état d'insalubrité du pays en général et de la capitale en particulier. Le spectre hideux des mornes sur le plan Port-au-Prince et ses environs, pour ne citer que cela, et nous nous rendons rapidement à l'évidence qu'il s'agit d'une situation pénible pour nous. Nous rendons rapidement à l'évidence qu'il s'agit d'une situation pénible pour nous tous, autant dire, les défis à relever et les tâches qui nous attendent sont à la fois complexes et immenses. Donc, imbu et conscient de ces nombreux défis, j'ai accepté volontiers ce poste ministériel avec comme seule ambition de continuer à servir mon pays au plus haut niveau et de travailler sans relâche, avec passion et ardeur, en vue de contribuer à la matérialisation des objectifs de progrès, de développement économique et social prônés par le chef du gouvernement et le chef de l'État. Ministère environnement gain pour mission formuler ak fait appliquer orienter ak faire respecter politique gouvernement dans ça qui gain awe ak environnement. Et puis docteur Jean-Claude Pierre prend fonction comme nouveau ministre planification à coopération externe jeudi mardi 18 septembre. Ministre tout neuf planification dans discours li fait promesse li pour le travail pour renforcer coopération internationale et puis combattre pauvreté dans le pays d'Haïti. Un reportage Sainte-Croix-Paki avec Michel Joseph. C'est le ministre sortant planification et coopération externe, M. Avio Florent, qui installé nouveau ministre plan, Dr. Jean-Claude Pierre, ancien ministre planification, dans le cadre de cérémonie, ça, a profité de présenter le bilan de travail pendant plus de l'année passée dans le ministère. M. Avio Florent expliquait avec le ministre tout neuf planification, qui a rempli l'autre travail qui a prêté dans la fonction ça. Je souhaite bon succès au premier ministre investi, le notaire et confrère, ami Jean-Henri Séan, au nouveau ministre, et en particulier le nouveau ministre de la planification et de la coopération externe, le docteur Jean-Claude Pierre. Je souhaite mes vœux de succès également au secrétaire d'État, au directeur général de la nouvelle administration politique. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes animé, que des valeurs vous habitent et que vous saurez diriger ce ministère comme tout bon ministre de votre trempe et de votre acabit l'a déjà fait. J'en profite pour souligner à votre attention que le ministère de la planification et de la coopération externe se veut un oiseau à deux ailes. L'aile de la planification du développement en ce qui a trait au système national de la planification, à son sous-système national d'investissement public, et l'aile de la coopération externe qui se veut. Cet outil qui devra nous aider à parvenir à nous renforcer sur le plan interne, à faire reculer le spectre hideux de la pauvreté. Nouveau ministre planification, Jean-Claude Pierre, remercie l'administration Moïse et le gouvernement Séan pour confiance sur place dans l'I, pendant les promettre libre le travail pour renforcer la coopération internationale. Je m'engage à faire une gestion rationnelle et transparente des ressources publiques disponibles selon les instructions que j'ai reçues du chef de l'État et du chef du gouvernement, afin que le ministère de la planification puisse effectivement servir de catalyseur du développement économique et social du pays que la population attend depuis longtemps, voire trop longtemps. Mesdames, Messieurs, dans le contexte historique national actuel, l'urgence devrait
de manière sincère et réelle au bien-être de la population haïtienne, se fait plus que jamais sentir. L'heure n'est plus aux discours soporifiques et aux interminables palabres, mais à l'action concrète. La population attend que soient mis en œuvre des projets susceptibles d'améliorer les conditions de son existence. Elle veut s'affranchir de la précarité, se libérer du carcan de la pauvreté extrême, de telle sorte qu'elle puisse accéder enfin à la modernité, après plus de 2 siècles d'indépendance. Cérémonie ça a été déroulée en présence de plusieurs autorités, quelques parlementaires et divers employés dans le ministère de planification et coopération externe. Et puis, ministre Culture et Communication, Jean-Michel Lapin, installé mardi 18 septembre, Eddie Jackson Alexis comme secrétaire d'État Communication. Une cérémonie qui fête en présence diverses personnalités politiques à cadres employés ministère. Un compte rendu Rachel Saint-Fort à Dieudonné Lidier. Explique choix, action et réalisation gouvernement, convaincre population sous bien fondé décision yo, explique contrainte et raison qui motive choix yo. C'est parmi divers travail, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis a bien pour le fait, d'après ministre Kilti à communication Jean-Michel Lapin. Dans l'occasion installation secrétaire d'État communication, ministre Kilti à communication offre tout support ministère par secrétaire d'État communication pour accomplir mission. Le nouveau gouvernement, dans son souci de donner une nouvelle impulsion au volet communication, a trouvé judicieux de faire appel à un chevronné, un homme du sérail, bourré de dynamisme à la tête de la secrétaire d'État à la communication. Choix heureux, à mon avis, quand on connaît le parcours de l'appelé. À côté de la feuille de route du chef de l'exécutif, nos attentes, monsieur le secrétaire d'État, avec le support d'une équipe déjà rodée que vous trouverez ici, vous aurez surtout à expliquer les choix du gouvernement, ses actions, ses réalisations. Convaincre l'auditoire de la justesse des décisions. Expliquer les contraintes et le pourquoi de certains choix sans pour autant colorer et embellir. Dire vrai, dire juste, en évitant de tomber dans la plate propagande. Bon côté pas, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis profite de l'occasion pour remercier tout le monde qui t'a supporté, accompagné pour arriver dans le poste ça. De renouveler engagement pour travail, faire promotion pour liberté la presse, liberté d'expression à travers une communication publique qui fondée sous transparence. La cérémonie de ce jour marque pour moi un tournant décisif de ma vie professionnelle et d'exprimer ma gratitude envers le président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse et le Premier ministre M. Jean Arissien pour la confiance dont ils m'honorent en me confiant cette responsabilité. Ma mission, comme vient de le préciser le ministre de la Culture, mon ministre de tutelle, consiste à coordonner la politique de communication publique du nouveau gouvernement. Entendez par là la mise en place de stratégies et d'actions découlant d'un plan bien ficelé élaboré à partir de modèles de communication qui tient compte d'un diagnostic de la conjoncture. Mettez campé en table sectorielle communication interministérielle pour articuler une meilleure politique publique dans le domaine non cap faciliter résultats concrets, animer débat sur l'utilisation réseaux sociaux dans le bénéfice PIA, travailler avec association presse dans le PIA et diaspora pour établir un climat de confiance en différents forces vives PIA. C'est parmi divers projets, secrétaire d'État communication annoncé, l'a bien pour le réaliser. Moment arrivé pour une prendre l'autre pause dans le journal là, zanmi téléspectateurs pas déplacés, n'ap tounen. Merci parce que nous toujours été branchés. Journal là a rapoursuivre sur télévision nationale d'Haïti. Ensemble avec député circonscription Mirbalea Abel Descolines qui fait qu'on a groupe 16 l'an pas crasé. Jean en pile moun ta vle fait quoi ça?
Parlementaire a dit groupe 16 lanté chita parler avant séance ratification hein, pour te décider Jean toute député dans groupe lan tapral voter. Un extrait dans micro Eliezer Colo avec Moïse Wilbridge. Nous entendons et clarifier de mes interprétations et qui fait au lendemain de séance ratification voie d'approbation politique générale nouveau premier ministre Jean-Henri Séan et son cabinet ministériel information qui t'a interprété qui parlait de la fin du groupe des 16 députés qui initialement t'ai interpellé l'ancien gouvernement du premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Bien évidemment, déclaration yon collègue de groupe 16 ans li passé comme yon déclaration isolée dans la mesure où groupe 16 ans li existait et groupe 16 ans li te participé dans séance là et ce qui a été convenu c'est ça qui passait dans occasion séance si là. Cela dit, groupe 16 ans, nous l'avons toujours rappelé, et vous autres journalistes accrédités au Parlement, nous connaissons pertinemment, groupe 16 ans, c'est pas un bloc formellement constitué. C'est un groupe qui gagne de collègues, qui d'horizons divers, qui fait partie de l'autre bloc constitué légalement au niveau de la Chambre des députés. Et il était convenu, suite à plusieurs rencontres, plusieurs discussions, nous, pas bail en consigne de vote. Ceci étant dit, groupe 16 ans gagne 5 votes contre pendant vote dans le cadre énoncé politique général là, 4 abstentions. N'a pas rappelé que tu gagnes 2 collègues qui étaient absents pour raison de santé, député Fekière et député Roger Millien. Et il y a le collègue Baudelet qui fait partie de groupe 16, qui était dans séance là, mais qui pendant vote là, pas voté ni pour, ni contre, ni abstention parce que les pattes entrent dans la salle là. Et gagnent seulement 4 collègues qui, eux-mêmes, en vertu de dispositions, ont été pris à l'intérieur de blocs que yoye qui votaient pour. Notre information, directeur exécutif Conseil électoral provisoire, Uder Antoine, qui t'a participé dans l'émission mise au point jeudi mardi 18 septembre, pour tes explications sur ensemble travail commencé réalisé dans le cadre élection 2019. Yo. D'après Uder Antoine, KEP en déjà soumet by exécutif l'an, budget, élection sa yo, et puis présenté ensemble. Modification yopote nan document électoral lan. En suivant bout nan déclaration. On CEP a préparé déjà un budget pour opération électorale. Budget qui était soumis à ministère économie, je crois, c'était en juin. Et budget ça, et par rapport à échange qui était gagné, le budget ça fait partie de loi de finances 2018-2019 là. Et quand j'en dis dans d'autres interventions dans des stations sœurs, encore une fois, c'est son fierté nationale que nous faisons la dernière fois et que nous continuons dans le même sens, nous continuons à financer l'élection. Nous pensons que c'est une bonne chose, surtout que nous allons financer l'opération électorale à partir du trésor public. Dans ce sens, nous n'avons aucune inquiétude. Nous sommes certains que nous avons un budget, mais l'aspect beaucoup plus important, c'est assurer nous quand même que fonds ça mettait à la disposition nous dans un délai raisonnable, capable de dire au plus tard octobre là ou bien novembre. Nous avons le temps vraiment à la dernière minute, parce que si nous avons des réformes pour nous faire, nous avons des changements. Nous supposons continuer à travailler de modernisation système électoral là. C'est sûr, si nous arrivons en février 2019, nous pour gagner un an, mais nous, la difficile pour nous faire travailler ça, yo. Surtout, c'est des interventions qui ont une portée technologique, côté, on va continuer à introduire technologie, on va continuer à introduire nouveaux outils, nous, quand tout ça, on demande des sensibilisations, on demande d'éducation, on demande des formations. Ça m'a dit tout un planning. Dans la dernière élection, les OTM étaient fonds à disposition. Nous, premièrement, nous chita au ministère de l'économie pour nous faire un arrêt de planification financière. On sort de cash flow pour nous connaître à quel moment on a besoin X montant d'argent pour faire quoi. Parce que le pape Jean me dit,
Si la côté 45 millions, il y a juste longé totalité à Bao, mettez son compte. Ça veut dire qu'on travaille de, pour nous faire de concert avec le ministère de l'économie, ce qui est normal, parce que nous, c'est un budget, et le budget, nous, qu'on elle dépend de taxes, vous savez, de l'autre bagage, nous, on va dire vraiment pour prendre 45, 50 millions pour pouf, y'a longé Bao. Mais quand même, faut faire une planification tout, pour ne pas stopper le travail que vous faites dans le temps. Et dépenses, ce n'est pas des dépenses que CEP a fait pour contenir, c'est des dépenses qui fait en regard, en référence aux lois de comptabilité. Et dans, au sein de CEP, j'aime toujours dire, ce n'est pas nous-mêmes qui juste signons, ou bien président Berlinguer signons, non. Nous gagnons contrôleur financier, ministère finance qui l'a, nous gagnons comptable public là, qui l'a. Chaque dépense CEP a fait, il fait l'objet de contrôle, de vérification par structure ça, que le ministère de l'économie mettait au sein du CEP. Ça veut dire vraiment c'est des dépenses qui faites vraiment en regard de loi de comptabilité. Il y a une stratégie, nous avons agi sous lien pile qui pourrait permettre nous améliorer la qualité pour ces verbaux, c'était la formation. Et contrairement à l'élection passée, nous sommes capables de dire pour ces verbaux, nous avons de meilleure qualité, nous avons moins de problèmes. Ça veut dire pas de problème du tout, mais nous avons moins de problèmes parce que nous avons investi en pile dans la formation. Côté que formation, nous avons augmenté le nombre de joueurs, nous avons assuré nous quand même il y a des cas pratiques pour nous venir avec réalité terrain pour nous vraiment comprendre. Mais qu'on y a intervention au membre bureau de vote, Jean peut-être la remplir ou bien décision pour le fond bagaille la donne pour le café pour se faire la gâter, ça c'est pour bah même capable de 9 membres conseil, un directeur exécutif et directeur technique capable d'empêcher. Mais on a continué fort de l'expérience que nous faisons, on a continué à renforcer les points de contrôle, les niveaux de supervision. Nous demandons encore une fois tout que mandataire joue le rôle de pour nous anticiper ce genre de situation. Ça est capable de créer des confusions. Mais question, madame. Et puis, on a enchaîné ensemble avec groupe Croissance qui présentait un exposé sous budget rectificatif 2017-2018 l'an, jeudi mardi 18 septembre. En côté précision, économiste Kessner Farrell qui a expliqué l'importance de l'initiative SILA pour le pays. Le budget rectificatif là que le gouvernement a déposé dans le Parlement, il y a des modifications qui faites et ça nous remarque que les dépenses courantes ont augmenté de manière considérable. Ressources domestiques là, 99,2 milliards de gouttes et nous prenons près de 85% dans l'agence ça pour nous faire des dépenses courantes et à peu près 15% pour les dépenses d'investissement. Donc imaginez après 6-7 juillet, selon le gouvernement, il était supposé aller dans des dépenses beaucoup plus essentielles que non essentielles. Mais les chiffres montrent que c'est l'inverse. Et je suis capable de dire que le Parlement lui-même les font correction beaucoup plus négative parce que c'est le Parlement qui augmente plus les dépenses courantes. Les biens et services passent de 20,3 à plus de 25 milliards de gouttes. C'est pour la première fois que les transferts et subventions franchissent la barre de 13 milliards de gouttes. Et de nous regarder les financements que le gouvernement fait, trésor public vers les investissements sociaux, il y a à peine 14 milliards de gouttes. Donc en ce sens, c'est l'inverse qui était supposé produire. Et Jean-Président a dit là, il était écouté population, donc il faut apporter plus de dépenses essentielles en dans budget. Le fait que nous prenons à peu près 2 mois pour un gouvernement qui remplace le gouvernement M. Lafontaine, ça crée une certitude d'hypothéquer l'exercice fiscal 2010-2019 là. Parce qu'on regarde les dollars comment on a monté par rapport à Goudla, on regarde les investissements que locaux, que l'international n'a pas fait dans le pays à Kounia là. Donc ça va le faire que la croissance économique là capable beaucoup plus faible que ça gouvernement te prévoit pour l'exercice fiscal 18-19. Donc c'est un héritage assez lourd que M. Seyan va le retrouver là pour recréer cette confiance, remettre et favoriser l'investissement et qui va faire croissance économique là. T'en as vivre là Kounia là, attirer des investissements directs étrangers, c'est pas vraiment une chose facile. Donc, c'est très optimiste, donc il faut que nous réduisions l'instabilité politique là, réduisions l'instabilité macroéconomique là. Ça prendra un peu de temps. L'exercice fiscal 18-19, capable très hypothétique pour nous être capable de vendre de toute croissance aussi optimiste que prévoir. N'a pas poursuivre pour nous faire connaître député circonscription Verretlon Gérard Paul Lorméus fait connaître circulaire ministère éducation nationale prend pour mander professeurs qui poco nommé pour pas travailler dans l'école publique yo a gagné gros conséquences sur environ 7 l'école dans circonscription Lyon parce que t'assemblée l'école ça yo pas gagné aucun professeur qui connommé député Lormeus Méus encourager direction départementale éducation dans la Tibonite pour prendre Kassayo en considération. On suit. Ministre gagne en circulaire qu'elle sorti pour te demander pour ceux qui pas lettre de nomination pour pas rentrer dans salle de classe. Moi dit que il pose des problèmes dans la mesure où nous gagne en pile l'école
qui par des professeurs qui nommés là-dedans, qui dans situation si pour ta mettre circulaire ça en application à 100%. Maintenant, il y a dans situation pour obliger fermer porte et fermer porte veut dire maintenant nous pas gagner des milliers d'élèves ça que qui pral dans la rue, qui pral mettre sous ça qui dans collège qui pas qu'à rentrer l'école. Maintenant, m'a prend exemple et dans circonscription PAM sous commune verte avec Liancourt, nous gagne par exemple lycée Bourel, il pas aucun professeur qui nous la donne, nous gagne lycée des âmes même situation. Nous avons l'école nationale Bélanger, nous avons l'école nationale Larimer Melon, nous avons l'école nationale Lévesque, nous avons l'école nationale et nous avons Bab, etc. Ça que nous avons Valeré, etc. Ça veut dire que nous avons 7 à 8 l'école, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun professeur qui nous met là-dedans. Et circulaire ça, mettre dans situation pour élèves dans la rue, et plusieurs milliers. Ça va augmenter la quantité de personnes qui parlent à l'école. Ça veut dire que nous pensons que faut que le ministère, là, et par le biais de la direction départementale, regarde dans quelle mesure maintenant ils sont capables de faire une intervention pour ne pas gagner plus d'échecs dans l'examen pour l'année académique qui va venir. Et puis, quand nous parlons dans le département Grand'Anse, ensemble avec Caravane Changement, pour nous faire connaître, pendant le week-end qui se passait, autorité dans la région Grand'Anse ont continué avec le travail canalisation qui a fait dans diverses rues, à quartier, dans la ville Jérémy précisément. On suit un papier avec Ricardine Desanges. Travail caravane changement a continué dans le département Gadespéia, dans la rue La Paix, dans le village Jérémy, construction canal à caniveau après poursuivre. Et puis dans Bekye, travail pour finaliser dans le Sila fête. Série de travail ça yo a aidé population dans zone ça améliorer conditions vie nan pote yon souffre pour les la pluie tomber ça qui connaît la cause inondation puis loin population dans différentes zones côté travail ça yo a poursuivre dans village Jérémy remercier chef l'état pour ensemble travail ça yo dans quatre caravane changement plusieurs rues dans village Jérémy déjà fini et puis l'ouvrir pour circulation comme ça doit. N'après une autre pause amis téléspectateurs n'a pas vite arrêté branché n'a retourné. Naptoman, dernier tranche, journal sa zomi téléspectateur, nan actualité en l'autre bord de l'eau. Kap mene nou, eh bien, nan Corée du Nord, côté leader nord-coréen Kim Jong-un, recevoir pour première fois Tokai Lee, sud-coréen, président Moon Jae-in, pour parler sous question dénucléarisation. Visite officielle à Silla, ta doué durer 3 jours, en suivi un reportage. Dirigeant Sid ak Nord-Corée Moon Jae-in ak Kim Jong-un rencontré dans ville Pyongyang mardi 18 septembre 2018 là. Dirigeant sud-coréen Moon Jae-in fait visite ça dans objectif pour Chita Palais sous dénucléarisation. Corée du Nord manifesté volonté pour signer un traité pour la paix qui a mis officiellement un bout à guerre Corée qui était fini dans l'année 1953. Relation de Corée pour que j'en baille tout espoir ça. J'en famille qui était séparée depuis plusieurs dizaines d'années qui réunit montrer ça. Administration américaine bon côté pâle qui exigeait progrès sur le dossier nucléaire annulé une visite secrétaire d'État dans Corée du Nord mois passé. Président sud-coréen Moon Jae-in a gagné pour le faire voisin li Corée du Nord respecter promesse qui était fait pour dénucléariser péninsule. Toujours en actualité, en l'autre bord de l'eau, l'armée syrienne l'a écrasé un avion russe. Disparu des radars lundi soir au-dessus de la. D'après Moscou, c'est une erreur qui la cause. Incident ça qui arrivait. Dans un moment, l'armée défense syrienne l'a tiré pour être capable d'intercepter missiles israéliens qui étaient visés plusieurs dépôts munitions. Toutefois, pays Russie dit c'est Israël qui a poté chapeau à cause de mené plusieurs tirs missiles bien avant catastrophe. C'est le plus gros incident qui arrivait en deux alliés depuis l'intervention militaire Moscou dans le pays Syrie pendant fin année 2015 pour supporter le régime d'Hamas. Plusieurs ministres et secrétaires d'État dans le nouveau gouvernement entré en fonction jeudi à Pamio, ministre Kimti à communication, ministre affaires étrangères, ministre planification et coopération externe, ministre commerce, ministre tourisme et secrétaire d'État communication.
Travail caravane changement après poursuivre dans le département Grand Anse, plusieurs rues déjà asphaltées ou soit bétonnées pendant un travail canalisation cap continué. Conseil électoral provisoire déjà soumettre by exécutif l'an, budget élection 2019 yo. Directeur exécutif KEP1, Uder Antoine, qui t'a participé dans mise au point mardi 18 septembre l'an, parlé sous version préliminaire document électoral là. Groupe Croissance présenté jeudi a yon exposé sous budget rectificatif 2017-2018 l'an, mardi 18 septembre l'an. Et puis une actualité en l'autre bord de l'eau, l'armée syrienne l'an crasé yon avion russe qui te gagne 15 militaires là-dedans. Incident s'est arrivé dans le moment l'armée défense syrienne l'an tap tiré pour te capable intercepter missiles israéliens qui te visé plusieurs dépôts munitions li. Avant nous aller, amis téléspectateurs, yon note pour nous faire connaître madame Dumaine Kola qui perd du Wood Kaili. Nous gagne image li sur écran madame Dumaine Kola li perd du Wood Kaili. Nicolas Kola mande n'importe moun qui t'a rencontré li pour ta relé dans numéro sa yo. C'est 28 17 26 68 37 67 10 62 ou sinon 37 02 21 44. N'importe monde qui t'a rencontré, madame Dumaine Kola, relé Nicolas Kola, dans 28 17 26 68 37 67 10 62 ou sinon 37 02 21 44. Gagnant tout Asseline Billie Jean Figaro qui gagnait 14 l'année, qui quittait la Kylie depuis 15 septembre en tout. Parents, amis, mandé n'importe moun qui t'a rencontré pour yota mené li nan commis nan yon commissariat ou bien pour yota relé nan numéro sa yo qui c'est 48 36 04 58 ou sinon 46 30 21 85. N'importe moun qui t'a rencontré Asseline Billie Jean Figaro qui gagne 14 l'année, t'en prie, relé parole dans 48 36 04 58 ou sinon 46 30 21 85. Et c'est là que nous mettons un bout dans le téléjournal pour Assoya. Merci nous toutes qui t'es branchées. Nous souhaitons une très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Restez branchés.